Salut! Donc aujourd'hui, petite vidéo sur les trous de combat. Là, je suis dans un trou de combat d'airsoft qu'on avait fait il y a plusieurs années de ça et qui est toujours opérationnel, donc qui nous sert un petit peu. Donc j'espère que vous n'aurez jamais besoin de ce genre de stratégie, mais c'est bien d'avoir déjà entendu parler un petit peu de l'idée de ce type de position en fait pour le combat et pour l'observation. Alors je sais que ça va en rappeler des souvenirs à certains qui ont dû passer des nuits dans ce genre de trou à attendre de se faire attaquer à la balle à blanc tout en luttant pour pas s'endormir ou en réveillant les camarades qui devaient s'endormir. Voilà. Donc c'est vraiment dans un but défensif et d'observation. Ça remonte à assez longtemps hein, comme concept, ça remonte à peut-être avant 14-18. Donc en fait l'idée c'est d'avoir donc un trou enterré dans le sol, couvert ou non, selon ce que vous allez faire, d'au moins 1m50, 1m60 de profondeur, de façon à pouvoir, lorsque vous êtes assis dedans ou accroupi, être complètement à l'abri de la vue et des coups des ennemis. Et si vous êtes debout, vous allez pouvoir observer à 360 degrés ou dans une direction donnée, selon le type de trou que vous avez construit et selon votre mission et selon l'objectif. Au niveau de la taille du trou, ça va dépendre de ce que vous faites, du nombre de bonhommes que vous êtes et surtout de la nature du terrain. Mais celle-ci a plusieurs années, ici c'est très sableux et ça n'a pas du tout bougé. Donc on évitera quand même de faire des trous trop grands, trop larges qui risquent de s'ébouler, surtout si vous êtes dans un endroit très, très humide, très argileux. Donc le but c'est vraiment d'en faire voilà, sur une ligne de front, dans un secteur bien particulier. Donc, afin d'observer, de surveiller. Ça se rapproche un petit peu des caches des forces spéciales, enfin du 13e RDP ou autre. Les caches qui sont, elles, donc dans un but d'observation, mais qui sont des trous de combat encore plus avancés, avec une couverture en rondin sur le dessus, avec un toit en gros, recouverte d'une bâche, recouverte de terre, recouverte d'un camouflage, de façon à être complètement invisible dans le terrain, à observer un secteur de tir bien particulier, et de rester enfermé plusieurs jours et se relayer, souvent en binôme ou plus, et se relayer pour garder une surveillance 24 heures sur 24, noter voilà, ses observations, etc. Là, on est plus dans un trou orienté combat, c'est-à-dire observation et si besoin tir sur un objectif avec éventuellement voilà, un secteur de tir aussi à surveiller. Donc que ce soit un gros trou de combat ou une position installée à la va-vite, il y a un acronyme dans l'armée qui permet de savoir quels sont les points à prendre en compte pour l'installation de votre trou de combat. Et en tout cas, quels sont les points particuliers que doivent vous permettre de faire le trou de combat. Cet acronyme, c'est VITAL, V-I-T-A-L. Donc 5 points. Souvent, on rajoute peut-être un 6e point qu'on verra après. Le premier point, le V de VITAL, donc c'est un acronyme, hein, mémotechnique comme d'habitude. Ah, l'armée et ses acronymes. le premier V, donc c'est voir l'abri, enfin le trou de combat doit vous permettre donc d'observer un secteur, encore une fois, donc de bien voir voilà, un domaine particulier, enfin une zone particulière. Donc si voilà, vous êtes trop enfermé, trop camouflé, vous allez avoir une mauvaise visibilité. Le but c'est vraiment de surveiller ce que vous avez à surveiller. Le deuxième point, donc c'est le I, c'est invisible. Voir invisible. D'où l'intérêt donc du camouflage du personnel, hein, mais également donc de l'abri en lui-même. On va pouvoir rajouter des éléments de camouflage par-dessus ou autour, de façon à ce que le trou ne soit pas visible de loin, et que si vous aviez à dépasser la tête, même vous le ferez de manière assez discrète. Si vous faites un trou, une tranchée dans une zone complètement grande ouverte avec rien du tout à 360, vous allez être exposable à distance. Même à plusieurs centaines de mètres, on va voir qu'il y a un trou dans le sol à un endroit. Vous imaginez une tranchée en plein désert, on va voir cette ligne. Donc, deuxième point, I, invisible. Le but, ça va être d'être camouflé dans l'environnement aussi, et que la position forte eh bien, ne sera pas décelée par l'ennemi. Ensuite, le T, c'est tirer. Si besoin, donc vous allez devoir... Si nécessaire, il faut que le trou ne vous handicape pas si vous avez à tirer ou à utiliser vos grenades, donc enfin utiliser votre armement, ou à lancer des choses vers l'extérieur. Donc c'est pour ça, si vous avez un abri trop fermé avec un toit, avec très peu de visibilité, simplement une petite fente pour observer, vous allez avoir forcément plus de difficultés à engager l'objectif. Donc le trou doit vous permettre donc de tirer.
Ensuite, le A, c'est l'abri. Le trou est là aussi pour vous abriter. Vous abritez des éléments extérieurs, vous abritez de la météo, de la pluie, de la neige, du vent. Vous abritez du froid éventuellement, ou du chaud l'été d'ailleurs, parce qu'en pleine canicule, enterré sous le niveau du sol, souvent vous êtes un petit peu plus au frais. Ça dépend de l'exposition, bon, bref. Donc vous abritez voilà, des éléments extérieurs. On va pouvoir ajouter une bâche, on va pouvoir ajouter un toit pour se protéger de la pluie. Faire éventuellement se réchauffer à l'intérieur, avoir le réchaud, etc. Un petit coin popote. Tout ça, voilà, c'est pour s'abriter. Mais également, l'abri sert à vous abriter eh bien, des coups, des tirs, de la vue de l'ennemi. C'est pour ça qu'on fait un trou et pas simplement une position en surface très visible. C'est à la fois pour pas de vue et aussi pour ne pas se faire tirer dessus. Les trous de combat aussi, comme ça, servaient à eh bien, éviter les éclats d'obus. Voilà, pendant les précédents conflits, si un obus pète juste à côté, les éclats passeront en surface et bien à l'abri dans le trou, dans la tranchée, eh bien forcément, on ne sera pas touché. Pareil pour les balles ennemies, on ne sera pas visible. Donc voilà, de manière générale, le trou sert à nous abriter. Et enfin, le L, c'est la liaison. Normalement, depuis l'intérieur du trou, on ne doit pas être un élément complètement isolé. Et depuis l'intérieur du trou, on va garder des moyens de communication avec eh bien, ses camarades, avec la hiérarchie, de façon à ne pas être simplement un îlot perdu et une tombe enfermée quelque part. Enfin, une tombe bloquée, enfouie quelque part sur le terrain. Le sixième point qu'on ajoute quelquefois qui va être complémentaire, ça va être, on va dire, vital E. Vital avec un E, ou vital C, vitalc. C'est le chemin de repli, ou prévoir l'évacuation. Donc tout est dans la dénomination, comme les autres points. Normalement, enfin idéalement, vous allez prévoir à proximité de votre trou de combat eh bien, un moyen d'évacuation. Enfin, vous allez prévoir par quel chemin éventuellement vous allez fuir. Si la situation tourne au vinaigre, ou s'il faut évacuer discrètement, s'il faut se replier discrètement, vous allez prévoir eh bien, dans le prolongement de votre trou de combat votre chemin de repli. Donc vous allez avoir une petite piste éventuellement un peu plus camouflée, voilà, de quoi s'exfiltrer discrètement si besoin, soit une fois la mission remplie dans le cas d'une mission d'observation, soit eh bien, s'il y a besoin d'évacuer la zone parce que l'ennemi est trop puissant et qu'on est débordé, eh bien, on va prévoir de quoi évacuer. Donc il y a deux types d'abris, les abris semi-enterrés, c'est-à-dire un abri peut-être un petit peu moins profond, plus visible de l'extérieur. On va y avoir peut-être un toit qui va dépasser ou une bâche pour se protéger. Là, on est plus voilà, dans le petit trou de combat rapide, la petite tranchée. Ça sera quelque chose de moins durable que le deuxième type d'abri, donc l'abri enterré, qui lui n'est pas semi-enterré, mais vraiment enterré, creusé beaucoup plus profondément, sur lequel bien soit complètement ouvert comme ici pour pouvoir tirer à 360 degrés, soit recouvert vraiment d'un toit en dur, en rondin, comme dit précédemment. De façon à être complètement abrité et donc creusé suffisamment profond pour pouvoir être à l'abri, même presque debout. Là, si je me mets debout, j'ai vraiment la tête et les épaules qui dépassent pour pouvoir voir ou utiliser l'armement. Mais là, en profondeur, l'abri est déjà largement vivable. Je peux être accroupi presque debout, je peux être assis sans dépasser en étant complètement protégé. Donc voilà, bien différencier les deux selon vos besoins entre l'abri semi-enterré et l'abri enterré. Là, en l'occurrence sur l'abri, vous voyez, on a une zone qui descend, un petit coin observation, et puis la zone de vie encore plus profonde ici. Donc en arrière de... Ça dépend aussi de la type de construction, là c'est adapté au terrain. Nous en l'occurrence, la zone dangereuse est dans cette direction-là. On arrive par ici, et ici c'est complètement fermé parce que c'est l'arrière du terrain, donc il n'y a pas de passage à l'arrière. Donc la forme de l'abri, elle aussi, va être construite en fonction du besoin. Et donc voilà, d'ici, je vais pouvoir observer le bois au fond. Voilà, s'il y a des ennemis dans ce secteur de tir, là, entre la haie et l'arbre. Donc vous voyez que pour contribuer au camouflage, à l'époque, il y avait donc de la végétation qui était mise sur le trou.
voilà, de façon à camoufler un petit peu le trou. Bon, même si on savait qu'il était là, c'était simplement pour l'exercice. Oui, que la végétation l'est complètement pourrie, mais dans l'idée, il va falloir cacher le trou dans l'environnement. Donc là, avec les années, la nature a repris ses droits, la mousse a repoussé, les feuilles sont tombées. Et donc, si on met de côté la butte qui sert à se protéger et à surélever la profondeur du trou, qui est de la terre qui a été mise en donut tout autour, de façon à continuer à se protéger et à se cacher derrière, ce qui n'est pas forcément la chose à faire, parce que forcément vous allez être moins protégé des tirs à balles réelles. Si les balles arrivent dans la butte, elles auront plus tendance à passer à travers la terre que si l'abri est plus profond vraiment au niveau du sol. Là c'était pour faire simple, ça permet de creuser moins profond et de réutiliser les matériaux, en l'occurrence la terre. Ou si vous faites un vrai abri, eh bien, va falloir éliminer la terre de façon à ce que le trou soit complètement invisible, ne dépasse pas de la surface du sol, même le toit, de façon à être complètement caché. Ça peut être intéressant d'avoir une légère pente aussi là où vous positionnez votre trou de combat, de façon à ce que, mettons ici, ce soit la petite ouverture d'observation, elle se fonde dans la pente en ayant une petite ouverture. Si vous faites un toit, une couverture en rondin, va falloir prévoir aussi un trou pour entrer à l'intérieur, un trou avec une trappe qui sera elle-même camouflée, qu'on pourra remettre après être entré à l'intérieur. Cette trappe doit faire à peu près 50 cm sur 50 cm, ça suffit pour se glisser à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc petite vidéo rapide sur ce système d'installation de combat. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut.